tu es mort. Non, je suis bien vivant. Vous êtes relevé de vos fonctions, sergent. Nick ! Véronica ? À l'heure qu'il est, la police est toujours en quête de Veronica Roberts, ancienne correspondante de la chaîne CNA, recherchée pour le meurtre d'un de ses collègues. Roberts prétend que le gouvernement aurait régénéré des soldats décédés pour en faire les membres d'une force de combat antiterroriste. De son côté, le gouvernement persiste à nier l'existence d'un tel programme. Roberts, qui continue de fuir, a été vu pour la dernière fois en compagnie de l'un de ses soldats universels. Commande ? On n'en sait rien. Mes ordres étaient de me présenter ici à 22h. C'est qui celui-là? Le lieutenant-colonel Jack Cameron. Je croyais qu'on l'avait relevé de ses fonctions, ce cinglé. Ouais, moi aussi. J'imagine que vous devez vous demander pourquoi on vous a fait venir ici. Vous avez été sélectionné à partir de détails très précis, prouvant que vous êtes les plus brillants et les meilleurs militaires que l'armée ait à offrir. Et vous pouvez être fiers de vous, messieurs. Vous disiez vouloir reprendre du service? Voici votre commandement. Récupérez les corps pour la résurrection. Ouais. La seconde équipe vient d'être recrutée. Excellent. Avez-vous entendu parler du docteur Walker ? Non, il y a un problème. Il a emmené la première équipe en manœuvre il y a 36 heures.
Il n'a pas donné signe de vie. Je m'en charge. Je peux savoir ce qui se passe. Nous avons un problème sur les bras. Un sacré problème avec la première équipe. Calmez-vous et dites-moi ce qui s'est passé. Tout le monde était connecté, sauf GR-13 et GR-44. Et je ne sais pas du tout où ils sont. Mais si on ne les récupère pas rapidement, leur système va chauffer et s'arrêter. Je ne suis pas sûr de comprendre l'objectif. Comprendre ne sert à rien, il faut le faire. Tu n'es pas censé goûter. Ce qu'il faut, c'est que tu ressentes. Il va falloir qu'on continue à le travailler. Calme-toi, Casanova, sinon tu vas nous faire de la fièvre. Ah, bon. Non, arrête. C'est une façon de parler. Luc ! Véronica ! Où êtes-vous ? C'est mon père. Pourquoi est-ce que tu ris ? Je ne sais pas. Pourquoi tu ris, toi ? Ah, pour rien. Moi, je pensais à la vieille blague de la fille encore vierge. Seulement, elle ne marche pas du tout avec un garçon. La blague ? Oui, c'est drôle. Tu sais, une blague, c'est fait pour faire rire. Tu te rappelles ? C'est surtout une sensation. Le rire, c'est la vie. Le rire, c'est la vie. Oui, la vie, l'émotion. Attends, on va refaire un essai. Toc, toc. Et qu'est-ce que tu devrais dire, là ? Je sais que c'est toi à la porte. Oui, mais si tu ne le savais pas. Qui est là ? Le dîner est prêt. Quelle bonne odeur. C'est du bœuf sauté, Luc en raffole. Vous me donnerez la recette, s'il vous plaît? Non, il n'en est pas question. C'est le seul plat que je fais et qui force mon garçon à revenir de temps en temps à la maison pour voir sa maman. Véronica, on parle de vous à la télévision. Maintenant, voici les informations locales. Une chasse à l'homme à travers tout le pays est toujours en cours pour retrouver l'ancienne correspondante du CNA, Véronica Roberts. Roberts est soupçonnée d'avoir tué il y a une semaine un de ses collègues au cours d'une vente de drogue qui aurait mal tourné. Elle est innocente. Ceux qui sont derrière tout ça ont fabriqué des preuves pour la faire tomber. Vous avez laissé le programme des soldats universels nous échapper. Comment croyez-vous que vont réagir les médias ? La femme n'avait pas été prévue. De nouveaux ordres vont vous parvenir, colonel. Vous êtes un soldat. Vous vous y conformerez. Oui, monsieur. Et je ne veux plus de tels flottements. Dès que vous aurez récupéré le soldat manquant, faites taire cette journaliste. Et mettez un terme à toutes ses activités. Ai-je été suffisamment clair, colonel ? Très clair. Alors, où est-ce que vous en êtes ? Si vous voulez éventuellement avoir un avenir avec lui, il va falloir vous sortir du pétrin dans lequel vous êtes. On ne sait pas vraiment qui se trouve derrière tout ça, ni jusqu'où ça remonte. Mais nous allons le découvrir. Mais comment ? J'ai un ami à CNA qui est persuadé de mon innocence. Si je peux lui présenter Luc, on doit pouvoir faire éclater cette affaire. Et mon fils serait la seule preuve que vous ayez, en fait. Elle est suffisante. Rassurez-vous, il est en sécurité ici.
Programme de recherche initialisé. Confirmer identification. Activé. Et réponse confirmée. On a une réponse et une confirmation. GR-44 est sur le chemin du retour. Excellent. Et comment vont mes nouvelles recrues ? En ce moment même, nous les régénérons, monsieur. Mais nous... Nous sommes un peu en sous-effectif ici. Quoi qu'il en soit, ils devraient être prêts en fin de semaine prochaine. Non, prenez votre temps, docteur. Ron ne s'est pas fait en un jour. Qui est avec Luc ? C'est son grand frère, Eric. Où est-il ? Il est décédé. Il y a très longtemps maintenant. Il était soldat, lui aussi. Il est parti au Vietnam très tôt avec une équipe de conseillers. Au bout d'un an, on a reçu une lettre. Il avait été tué en visitant une base de l'armée française. C'est tout ce que nous avons su. Et on n'a même pas pu l'enterrer. Pourquoi ? Il y aurait eu une explosion. Et d'après eux, il aurait été... Enfin, on nous a renvoyé ses effets personnels. Ça a été un coup dur pour Luc. Il avait à peine 9 ans à l'époque. Et il était très proche de son frère. Il refusait de croire qu'Eric avait disparu. Et le jour de ses 18 ans, il s'est engagé lui aussi. Il voulait aller au Vietnam pour retrouver son frère. Est-ce que vous avez vu Luc ? Il n'est pas dans sa chambre. Vous avez regardé dehors ? Ah oui, je cherchais partout. Ma voiture a disparu. Il est peut-être allé faire des courses. Avec quoi ? Il n'a pas d'argent sur lui. Monsieur Devroux, prêtez-moi votre camionnette, je vais le rattraper. Oh non, non, elle marche très mal, la transmission est fichue. Vous ne feriez pas 10 km dans cet engin. John, donne-lui l'autre voiture. Vous en avez une autre ? Je l'avais achetée pour lui quand il était au Vietnam. Je voulais la lui offrir quand il reviendrait. Je l'ai faite tourner toutes ces années. Dans l'espoir de son retour. Destination ? C'est une bonne question. Je peux savoir où vous avez eu cet objet ?
Ce truc-là? Oui, ce serait pas un type costaud, regard un peu lointain, qui vous l'aurait donné? C'est un ami à vous? Je suis sa sœur. Ah bon? Alors vous vous expliquerez avec le chef. Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à m'échanger ce truc-là contre un billet. Seulement, ça sert à rien. Ça donne même pas l'heure, ce machin. Écoutez, je vous paie son billet si vous me dites où il est allé. Désolé, mais je ne peux pas vous donner ce genre de renseignements. Vous ne comprenez pas. Mon frère est un garçon qui est extrêmement malade. Il est diabétique et c'est ce qui contrôle son insuline. Si on ne lui fait pas ses piqûres, il mourra. Vous voulez avoir sa mort sur la conscience? Son train arrivera à Chicago à 12h05, demain. La femme a refait surface il y a environ une heure dans une petite gare de province. Elle était seule? Oui, seule. Elle pose pas mal de questions sur lui. C'est une fugitive, monsieur Mazur. Laissez les autorités s'en occuper. Et s'il n'arrive pas à l'appréhender à temps, là vous aurez votre chance. Quelqu'un à côté de vous? Tu vas t'asseoir là, ma chérie. Et tu me dis s'il te faut quelque chose. Merci, monsieur. Désolée. Chewing-gum? Vous en voulez un? Mesdames et messieurs, le train pour Chicago va partir. Veuillez fermer les portières, s'il vous plaît. Le train pour Chicago va partir. Veuillez fermer les portières, s'il vous plaît. Je m'appelle Annie. GR44. Oh, c'est génial! Vous êtes dans un groupe de rap? Bizarre ton somnifère. Comment ça marche? Comme ça. Ensuite, il y a le marchand de sable qui passe. Elle est très jolie.
allons arriver à Chicago, Illinois. Chicago, Illinois, prochain arrêt. GR-44 vient d'arriver. Tant mieux. C'est bien. Vous allez me le nettoyer et le mettre avec les autres. Scalpel. L'unité a été endommagée ? Non, malgré sa disparition, tout est très stable et les branchements sont bons. Passez-le par la glace et appelez-moi demain matin. Entendu. Ôtez-lui la boîte noire. On va regarder la télé. Tout ce qui s'est passé la semaine dernière est enregistré dans cette boîte. C'est fantastique. Passez-moi l'hypercoagulant. Bonsoir, Dr. Walker. Monsieur Mazur, ce n'est pas vous que j'attendais. Il n'a pas pu venir. Je ne suis pas d'accord. Il avait dit qu'il serait là. Et il a tenu parole.
Cet endroit est un véritable cimetière. Mais c'est précisément pour ça que je veux lui parler en personne. Cette opération et tous ses équipements réclament plus de personnel. Vous voudriez plus de corps ? Non, plus de moyens. Plus de moyens ? Ouais. Ce genre de travail n'est pas donné, monsieur. Et si l'État cesse de nous subventionner, où croyez-vous que nous trouverons nos fonds, hein ? Patience, Dr. Walker. Toutes vos questions obtiendront des réponses, et toutes vos peurs s'apaiseront. Où en est-on maintenant ? Est-ce qu'on va pouvoir travailler ? Leur rétablissement est complet. Je pense que les vieux soldats ne meurent jamais. On ne fait qu'ils transformer seulement en machines à tuer à soi fixant. On pourrait facilement prendre possession d'un pays avec ce genre d'unité. Regardez-les. Lui, quel est son nom ? GR44. C'est lui qui pose le problème ? Non, plus maintenant. Vous êtes certain de le contrôler parfaitement cette fois ? J'ai augmenté le dosage. Il ne se rappellera même plus son nom quand j'en aurai fini avec lui. Ne vous retournez pas! Posez ce fusil sur le sol ou je vous tue, croyez-moi! Qu'est-ce que vous voulez? Je veux vos vêtements, votre fusil et votre carte d'identité. Allez vous faire voir! Je vous avais dit de ne pas vous retourner! Vous avez réussi à retrouver le GR-13. Il ne répond pas au RTS. Vous avez essayé le système de localisation globale ? Il n'est plus enregistré. Et ses paramètres biologiques sont tous en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que quoi que lui ait fait GR-44, c'est définitif. L'enfer, c'est la guerre. On est prêt. Enlevez les parasites, sa voix est débrouillée. Il devient paranoïaque sur ses vieux jours. Bienvenue parmi nous, GR-44. Je suis ravi de vous retrouver. Et bienvenue aussi aux nouvelles recrues. Messieurs, à la suite de certains événements récents, l'appui du gouvernement au programme Unisol vient d'être abrogé. Il faut vraiment leur expliquer ça. Il les considère comme des membres de sa famille. Donc ils doivent savoir. Ils ont déclaré qu'ils ne voulaient plus aider notre famille plus longtemps. Mais ce n'est pas la première fois que votre gouvernement tourne le dos à des soldats de votre trempe. Personnellement, je ne l'approuve pas. Moi, je ne me détournerai pas de vous. Et je ne démantèlerai pas l'équipe, quelles que soient les répercussions que cela pourra avoir. J'ai pour but de conserver cette unité, cette famille, vivante. Ce gouvernement vient donc grossir la liste de nos ennemis. Et l'ennemi, comme vous ne l'ignorez pas, se doit d'être détruit. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que nous devenons privés. Des mercenaires ? Mais c'est illégal ! Bienvenue dans le monde des grands. Et ce sont vos monstres qui vont nous ouvrir la route. Je vais réunir l'équipe. Je vous avoue que moralement, ça me pose problème. C'est une question d'éthique. Mmh.
projet Soldat Universel. Voilà qui devrait être intéressant. Boîte noire, GR Unité 2. Ah, je vois, il a un magnétoscope dans le derrière. En tout cas, il a des belles fesses. Inhibiteur, unité absente. Mais c'est pour ça que t'étais partie. Ah non. Tu vas pas te souvenir de moi. Ce soldat est le candidat idéal à une régénération. Réanimation massive du tissu cellulaire mort. Commençons par 20 000 volts. 20 000 volts, docteur. Attention, écartez-vous. 40 000 volts. 40 000 volts. 60 000 volts. 60 000. Processus de retour amorcé. Très bien. 30 cm cubes d'adrénaline, vite. 30 cc d'adrénaline. 80 000 volts. 80 000 volts. Nous avons le coup. Allez, 200 cm cubes de sérum effaceur de mémoire avant qu'il ne se réveille. Vite, dépêchons. Rythme cardiaque, 60 pulsations minutes, docteur. Attention, il reprend conscience. Nettoyez sa mémoire, vite, vite. Attention, aidez-moi. Enlevez-le-moi, enlevez-le-moi. Faites-le lâcher. Libérez-moi. Je suis une amie de votre frère.
Luc? Oui. Où est-il? Je vous expliquerai plus tard. Venez. Il vous faut des vêtements, sinon vous allez attraper la mort. Allons-y. Oh, je suis déjà mort. Comme je vous l'ai dit, c'est une simple démonstration. Si les acheteurs aiment nos produits, vous prenez un acompte et vous me contactez pour plus amples instructions. C'est clair? Affirmatif, monsieur. Docteur Walker. Mm-hmm. Je veux que ces hommes soient au meilleur de leur forme. Pas de problème, ils le seront, je peux vous l'assurer. Préparez les unités pour une vérification. Ah! Dis donc, mec. Tu sais où je peux trouver des toilettes? Ça va faire 40 ans que j'ai pas pissé. Qui êtes-vous, vous? Elle est avec moi. Merci. On va le planquer. Ils m'ont gardé longtemps, apparemment. Et mes parents? Ils sont toujours vivants? Oui. Quand est-ce que je vais revoir Luc? Vous ne verrez rien du tout si vous ne vous dépêchez pas. Allez, vite! À vos ordres. Tenez, mettez ça. Qu'est-ce que c'est? C'est pour vous éviter de surchauffer. De surchauffer? C'est en rapport avec le fait que vous soyez mort. Votre corps ne peut plus se rafraîchir tout seul. Comment ça? Bon, écoutez, je suis journaliste, pas médecin. Alors vous mettez ce truc-là sans discuter. D'après ce qu'on entend, ils vont commencer. Tout le monde à son poste. L'équipe entre en action dans 10 minutes. Vite! Suivez-moi! Remorque 2, prêt pour le transfert. Vous lisez ce contrôle? Je vous lis affirmatif. Affirmatif. Docteur, test vous deux. M'énervez. Test de l'œil. Vous me gonflez. Vérifiez. Affirmatif. Affirmatif. Test 3. Test. Ça va, tout roule. Allons-y, démarrez. Oui, monsieur. Ils sont en route.
et tout se déroule comme prévu. Et pour ce qui est de nos amis, vous avez de leurs nouvelles ? Dans 2 heures, ils seront dans notre espace aérien et d'après ce que je sais, ils sont tout prêts de passer un accord. Oh, bon sang, il y a du matériel. Est-ce qu'on a gagné la guerre ? Du Vietnam ? Ouais. Non. Mais on en a gagné d'autres. Et qu'est-ce qu'il y a entre vous et Luc ? Oh, je suis pas encore très sûre. Je vois, vous n'êtes pas... Non. Enfin, peut-être. On a déjà vécu tellement de choses ensemble. Sauf qu'il ne va plus se souvenir de moi. Ils ont effacé sa mémoire. Vous voulez me voir ? Nous avons retrouvé GR-13. Comment va-t-il ? Il ressemble à un puzzle. J'ai retiré ça de la boîte noire de GR-44. Ah ! Où est-ce que ça s'est passé ? Je ne sais pas encore. J'ai dû casser la boîte pour lire les résultats. Je ne vais pas tarder à savoir. Ah ! Ouh. Faut bien admettre qu'il a du style. J'écoute. Docteur Walker, je suis dans le RFD. Vous n'allez pas vouloir le croire, mais... GR5 a disparu. Comment ? Mais c'est impossible ! Docteur, regardez l'enregistrement 3. Cette image a été enregistrée la nuit dernière. Cette petite garce nous a retrouvés. Docteur, regardez ce moniteur. Bon sang. Vous le connaissez ? C'est GR5. Mais qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce qu'elle lui veut ? Vous n'avez pas l'air de savoir ce qu'est cette opération. Je n'ai pour mission que le recrutement et la sécurité. Ah oui ? Oui. Alors je vais faire votre éducation. Cet homme, GR5, son vrai nom, c'est Eric Devereaux. C'est le frère aîné de GR44. Comment ça a pu se produire ? Je vais vous le dire, c'est très simple. Elle a pénétré ici. Nos ressources en surveillance ne sont pas suffisantes. Nous n'avons pas assez d'hommes pour protéger un endroit aussi important. Je vous conseille de prier pour que cette histoire s'arrange, parce que sinon vous n'aurez plus aucun endroit à protéger. Connectez-moi avec le camion. Nous avons des passagers clandestins. Je crois que c'est fichu. Et moi, je dis que tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Je pense ça. Allons-y. Américaine, expert en démolition. On dit que vous étiez un excellent soldat. Mais dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de l'avenir ? Eh bien, s'il est rempli d'ordures telles que vous, je trouve qu'il y a à revoir. Non ! Repos, soldat. J'ai trouvé ça sur elle, dans sa poche. Qu'est-ce qu'il y a dessus ? C'est une recette de strudel. Mon père m'a appris qu'il ne fallait pas frapper les femmes. Ton père n'a jamais su s'amuser.
tuer la fille et conserver la quincaillerie. T'énerve pas, Devro. On a besoin de toi pour les pièces de rechange. C'est pas la même chose avec les journalistes en fuite. GR-81, tu me les rattrapes. Saute. Quoi? Il faut sauter. Dépêche-toi, Eric. Ramenez-moi au camion et tout de suite! Une petite minute, Major, c'est moi qui commande ici. Écoutez-moi. Procédez comme prévu initialement. Je ne veux pas qu'on se fasse remarquer. Oui, mais ils vont se sauver. Eh bien, laissez-les. Cette torture a une balise de position dans la jambe. Et puis nous tenons son frère, alors il reviendra. Unisol. Démonstration. Démonstration ? Qu'est-ce que ça veut dire ? On devient des mercenaires. Enlève ton pantalon. Tu as une balise de position implantée dans la jambe. Si on ne te l'enlève pas, ils finiront par nous retrouver. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà fait ça. Ah, tiens, fais-le toi. Docteur, contact coupé avec GR-44. Il ne devait pas poser de problème. Il n'aurait pas dû. Sauf que le fait de revoir son frère lui a rendu une mémoire incontrôlable. Ça ne devait pas se produire deux fois de suite. Ça signifie que les liens du sang sont plus forts que notre effaçage. Vous êtes viré. Comment? Vous êtes renvoyé. Excusez-moi, monsieur, mais... Je prends votre place, je prends le commandement. Bien. Il faut qu'on retrouve Eric. On ira aussitôt qu'on aura fini de te réparer. Tu ne te souviens pas de moi ? Non. Qui es-tu ? Une amie. Une amie d'Eric ? Oui, mais je t'ai rencontré avant. Ne bouge pas.
J'aimerais savoir quels sont tes objectifs. D'abord, je veux t'aider. Mais j'avoue que j'aimerais croire ou espérer que tu pourrais peut-être tenir à moi. Autant que je tiens à toi. Voilà, ça y est. Quoi ? Hé, vous deux ! Attention, ne bouge pas ! Qu'est-ce que vous venez faire ici ? On ne veut pas de problème. Eh ben, vous faites ce qu'il faut pour en avoir. Luc, non ! Ça n'est pas un ennemi. Il a eu une journée difficile. Parle-moi de mon frère. Eric a été l'un des premiers soldats sur lequel ils ont fait ces expériences. Mais il est différent de toi. Son corps n'a jamais accepté les traitements, ce qui fait qu'ils n'ont pas réussi à l'intégrer. Il n'a jamais été un soldat universel. Je me souviens de lui partant à la guerre. Je suis désolée. Je vais leur faire payer pour ce qu'ils ont fait. GR-44. Qu'est-ce qu'il y a ? Vous trouverez un aérodrome désaffecté sur la route 76. Soyez ici à minuit précise. Ne soyez pas en avance. Ne soyez pas en retard. Il vous parle, c'est ça ? Si vous ne venez pas, votre frère sera exécuté. Fin de la transmission. Ils veulent que je vous échange contre Eric. Il faut trouver une voiture. Véronica, ces gens veulent vous tuer. Alors, ce sera à vous de me sauver. Le rouge sur le vert. Je sais. Je vais faire reportage sur des voleurs de voitures. Faudrait te changer. T'as l'air de G.I. Joe comme ça. Tu devrais aller voir à l'arrière pour te trouver quelque chose. Non, ça c'est pas ton style. J'ai pas besoin d'un chaperon, Mazur. Je sais mener une transaction tout seul. Oui, comme tout ce que vous avez fait jusque-là. Circonstances imprévisibles. Ça ne serait jamais arrivé si la sécurité avait fait son boulot à la base. Ils arrivent quand, vos acheteurs ? Y a aucune nécessité à ce que vous le sachiez, colonel. Je prends le commandement. Oui, eh bien, c'est ce qu'on va voir. C'est une opération militaire, ça. Et les ordres n'émanent que de moi. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que les unisols refuseront de vous obéir. Mais ils m'obéiront si vous le leur demandez. Écoutez, j'en ai rien à foutre de ce que vous êtes. Ici, c'est moi qui commande, ils suivront mes ordres. Et cette transaction, c'est moi qui vais l'amener. Et ça, c'est bien clair ! Qui donne les ordres ? Qui donne les ordres, dites-leur ! Unisol, changement de commandement. C'est Monsieur Mazur qui prend la tête du groupe. C'est compris ? Affirmatif. Changement de commandement. Vous êtes libéré, colonel. Mettez-le dans la glace. Son comportement sera peut-être meilleur dans sa nouvelle vie.
nous faut un plan. L'objectif est de récupérer Eric. Je sais. Mais comment ? Reconnaissance du terrain, et ensuite assaut stratégique. Bien. Attends, gare-toi. Vous allez où, les jeunes mariés ? Oh, on sait pas encore. Ça vous tenterait de gagner une centaine de dollars facilement ? C'est pour faire des trucs malhonnêtes, c'est ça ? Mais que vois-je ? C'est bien monsieur Eric Devereaux. Je veux savoir qui vous êtes. Je suis l'organisateur de cette petite réunion familiale. Content de vous voir dégeler. Laissez-moi sortir ! Espèce d'ordure, faites-moi sortir ! Je m'appelle Bix. Et moi, c'est Calamity Jane. Alors lui, c'est Buffalo Bill. Gagné. Vous faites un très joli couple. Le traître que vous avez devant les yeux doit être exécuté. Je sais qu'on vous a enseigné qu'il ne fallait jamais tuer un camarade, mais nous allons devoir faire une exception à la règle cette fois. JR-44 est devenu l'ennemi. Et l'ennemi doit être éliminé. Affirmatif. Parfait. Monsieur, apparemment ils arrivent. C'est l'heure de la représentation. Allons-y. Vous savez vraiment en jouer ? Ah ouais, comme si j'étais né avec. Quand je tombe amoureux d'une fille, moi, je vais prendre un bain. Mais la dernière n'aimait pas l'eau, j'avais tout faux, tout faux. Elle m'a roulé dans la poussière et traîné au beau milieu d'une fosse à purin. Fosse à purin. Et moi je suis tout moche et amoureux. Amoureux. Alors ne me parlez plus jamais de bain. Plus de bain. Voilà Yung Sang. Vous connaissez les terroristes. C'est bien. Monsieur Yung Sang, je suis très honoré de vous revoir. Monsieur Mazur, je ne pensais pas vous rencontrer en personne. Oui, nous avons eu quelques légers soucis. Rien de grave, j'espère. Non, c'est arrangé. Tant mieux. Alors revenons à nos affaires. Amenez-les. Allons-y. Présentation. Qu'est-ce que c'est ? Vous deviez pourtant nous vendre des armes, monsieur. Ce sont eux, vos armes, monsieur Sang. Les meilleures armes biologiques sur le marché. Je vous offre les soldats universels. Je peux savoir ce qu'est un soldat universel, monsieur Mazur ? Je vais vous faire une démonstration. Prêtez-moi votre arme, je vous prie. Merci. Venez voir. Approchez-vous. Une vraie balle, du vrai sang.
devrait être mort tel qu'il est là. Mais il est mort. Il est guéri. Ce sont des soldats recyclés. Vous imaginez ? Aucune conscience. Aucune valeur, aucune opinion. Avec ces hommes, le recrutement fait partie du passé. Les permissions, oubliées. Ils sont garantis comme pouvant revivre une carrière de martyr. Et les armes font partie de la vente. Alors c'est 100 millions de dollars pour ça. Moitié à la commande, le reste à la livraison. Ce prix est donné pour 50 soldats, mais c'est vous qui fournissez les corps. Mais évitons qu'un John Wayne raciste vienne spolier notre savant dosage. Oui, c'était évident. Je prends ça comme un engagement mutuel. Pour le meilleur et pour le pire, Monsieur Mazur. Pour le meilleur et pour le pire. Rangez-moi ça. Bien. Ah, je sens que le pire est déjà là. Annulez le mariage. Pas qu'on allait faire les affaires avec ces ordures. Glacez-les. Non, enterrez-les plutôt, ils sont trop bêtes pour être ramenés à la vie. Le matos retourne à la base, on n'a plus besoin d'eux pour l'instant. Beau travail. Alors lui, il est... Savoir comment vous allez gagner vos 100 billets. Oui, mais moi je te dis qu'il n'en est pas question. Non, attends une seconde. Quoi? Monsieur, localisation cible à 0,25 clics. Vous trouvez que je ressemble à un soldat? Non, monsieur. Alors vous pourriez éviter ce genre de charabia. Il y a un véhicule qui approche. Ils ont de l'avance. Oui, j'arrive. Oui. Eh oui, bien sûr. Oh. Merde. On m'a dit de tourner à gauche là-bas. Alors moi, j'ai tourné à gauche et voilà que je me retrouve au milieu de nulle part. C'est un piège, fouillez tout. Toi, tu bouges pas. Et no problemo, cochise. D'ici sur le champ. Et je me sauve.
J'ai dit tout de suite. Tu croyais vraiment que je te reverrais jamais? Je n'allais pas abandonner mon petit frère. Petit frère, je faisais 50 pompes quand tu avais encore tes couches. On peut laisser tomber vos bêtises de macho deux secondes. Bix n'arrivera pas à les tenir très longtemps. Ouais, ça y est, c'est la courroie du ventilo qui est trop lâche. Ouais. Moi, je vais la retendre un peu. Voilà, ça y est. Allez, tire-toi. Demandez. Salut. Ça tombe. Monsieur. Le local de commandement a été fracturé. Et GR5 a disparu. GR5 a disparu. Est-ce qu'il y a toujours les diamants? Vous voyez les diamants? Des grenades. Des grenades. Des grenades? Trop éloigné. Les ordures. Oh. Oui. La transaction s'est déroulée comme prévu, mais il y a pourtant eu un léger contretemps, monsieur. Un contretemps ? 1m65, blonde et jolie. Elle nous a refait le coup. Et les diamants? Envolés. Mais puis-je vous rappeler que tout ceci aurait très bien pu être évité? Ne revenez pas sans avoir retrouvé les pierres. Et surtout, ne m'obligez pas à me souvenir de la raison pour laquelle je vous ai engagé. Oui, monsieur. Je m'en voudrais pas si je vous abandonne dans pas très longtemps. Maintenant. Et vous pouvez garder vos $100. Hé hey, vous avez super bien joué le coup. Il faut qu'on trouve une autre voiture. Il faut d'abord qu'on se refroidisse. Elle est mignonne. Oui. Mignonne. J'ai trop envie d'une cigarette.
J'espère qu'elle va pas revenir trop vite. Tiens, donne-moi ta... Hé, hey, comment t'as fait? C'est une capsule qui se dévisse. Selon le chirurgien en chef, la consommation de boissons alcoolisées diminue nos capacités à conduire un véhicule à moteur. C'est vrai, ça? Tu ne conduis pas de camion ce soir? Tu as toujours ton sens de l'humour, toi. À la tienne. Santé. Je crois que le chirurgien en chef devrait se laisser aller. Cette fille ne peut pas aller loin. Elle ne nous échappera pas. On va te retrouver, ma chérie. Allez, on y va. C'est quoi mon truc? J'en sais rien. Mais je suis content que tu sois là. Tu m'as manqué, Luc. Tu m'as manqué aussi. C'est mon frère. Ouais, c'est ça. Bon, si vous avez besoin de quelque chose, vous me le dites. Je vais lui dire tout de suite. Ah, c'est déjà ça. Toi, il faudrait que tu dormes, ça te ferait du bien. Coucou. Salut. J'ai une surprise pour vous. Ce soir, vous allez être ma femme. Alors, un petit sourire. L'amour, ça transcende. Faites ce que je vais vous dire. Et si jamais je refuse? Si vous refusez, vous allez perdre la vie. J'adore ce parfum. Hey, ça va pas, non? Oh là, oh là. Oh là 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 là. Oh
Débarrasser des ordures. Il est mort. Moi, je vais le réparer. Tu ne peux pas. S'il te plaît, écoute-moi. Toc, toc. Normalement, tu dois dire qui est là. Le rire, c'est la vie. C'est toi qui me l'as dit. Pourquoi il ne répond pas? Eric n'a jamais subi aucun traitement.
C'est pour ça qu'il n'était pas avec les autres. Il n'a pas été fait comme toi. On ne peut pas le ramener. Je suis désolée. De trouver qui nous a fait ça. Et je te jure qu'ils ne sortiront pas comme ça. Créer la vie coûte beaucoup d'argent et nous en avons de moins en moins. Avons-nous encore assez de ressources pour régénérer l'équipe? Oui, mais il est toujours en liberté. Et nous ne pouvons pas supporter un autre échec comme celui-là. Ne vous en faites pas. Vous aurez votre argent. Mais que diriez-vous de fonctionner sur une plus grande échelle? La recherche est terminée et j'ai rassemblé une équipe, monsieur. Mais je ne pense pas que nous... Non. Ne pensez pas, Dr. Walker. C'est à moi de le faire. Vous êtes là pour agir. Alors faites ce que je vous dis et gardez cette ligne de conduite. Je n'ai pas envie de faire dérailler notre programme. Compris, monsieur. Merci, mon vieux. On n'oublie pas. Combien vous demandez? $10.